Du 26 au 28 décembre 2017 s'est tenue la Quelque chose Jam, organisée par Esteban Green et la revue LCV. À cette occasion, on s'est amusé avec quelques amis à réaliser une vidéo pastiche de l'excellente émission Blow Up sur le cinéma d'Arte, écrite et réalisée par Luc Lagier parce qu'on aime beaucoup. Sauf que cette fois-ci, ça parle de jeux vidéo. Ou moins bondé dans Dieu seul me voit. Bah, tu as celle-ci là qui est près du mur. Qu'il soit modeste dans Ninotchka, ou moins modeste dans Arrête-moi si tu peux. On a essayé de coller autant que possible au code, au ton, à l'écriture de l'original. Le résultat, il est ce qu'il est, c'est bien sûr un peu amateur. À vous d'en juger. Alors la vidéo va se lancer maintenant, mais avant je vous recommande d'aller faire un tour sur la page itch.io de la Quelque chose Jam, parce que plein de choses très très cool ont été produites durant ces 3 jours. Et bien sûr d'aller regarder Blow Up, l'original, parce que c'est très très bien. Voilà, bonne vidéo. Et si on parlait des ponts dans les jeux vidéo? Car des ponts dans les jeux vidéo, il y en a. Des ponts sur lesquels on roule dans Mario Kart. Ou des ponts sous lesquels on passe dans Uncharted 4. Des ponts qu'on traverse en solitaire, comme Alan Wake dans la nuit. Ou en groupe dans Pokémon Y, à condition qu'on nous laisse passer. Des ponts pour passer au-dessus de l'eau dans A Link to the Past. Ou pour traverser la lave dans Super Mario Bros, qui même s'escamote à notre avantage. Des ponts qu'on hésite à franchir dans Dark Souls. Ou qu'on traverse à toute vitesse dans Trackmania Stadium. Des ponts routiers qu'on survole en zigzag dans Dodonpachi 2. Et sous lesquels on passe dans GTA V. Des ponts que l'on parcourt à pied dans Transistor. En calèche dans Assassin's Creed Syndicate. En vélo dans Pokémon Emerald. En voiture. En train, et même en gondole, dans Final Fantasy XV. Des ponts desquels on se jette, dans Metal Gear Solid 2. Et des ponts que l'on escalade, dans Dying Light. Des ponts qui servent de point de vue, dans The Witcher 3. Et d'autres de points de repère, dans The Last of Us. Des ponts qu'on voit en fond, dans Guilty Gear. Et des ponts qu'on ne voit pas, dans Mario Odyssey. Des ponts futuristes dans Portal 2, de très vieux ponts dans Skyrim, voire carrément en ruine dans Eternal Drifter. Des ponts qui s'effondrent sous nos pieds dans Uncharted 2, et qui même se transforment en chauve-souris par exemple dans Castlevania 4. Le Golden Gate dans Watch Dogs 2, le Tower Bridge dans Midsummer Madness 2, le pont de Brooklyn dans The Division. Bref. Des ponts dans le jeu vidéo, en veux-tu, en voilà. De quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. On peut commencer par dire que l'omniprésence du pont dans le jeu vidéo est sans doute un peu l'héritage des side-crawlers 2D, qui lui ont donné quelques-unes de ses plus célèbres habitudes, de déplacement d'abord, avec le saut, et d'organisation des espaces à traverser ensuite, avec les ponts, comme autant de plateformes. De jolis ponts de bois dans Sonic Master System, rapidement beaucoup moins sages, déstructuré dans Super Mario World, mouvant dans Metal Slug 2, parcellaire dans Wonder Boy. Et donc sur les ponts de jeux vidéo on saute, mais aussi on se bat, contre un hélicoptère dans Half-Life 2, contre des guerriers squelettes dans Tower of Doom. Le pont est souvent nœud de tension, en duel dans Prince of Persia 2, ou en affrontement de groupe dans PlanetSide 2. On cherche à le prendre ou à le défendre dans Medal of Honor et de nouveau dans Call of Duty World War 2 quelques années plus tard. Si le pont est un lieu de passage, il se retrouve pourtant dans le cadre du jeu souvent entravé par le feu dans Dragon Quest 8, par une énigme dans Silent Hill Shattered Memories, voire même par plusieurs dans The Witness. Le pont bloqué sert aussi à mettre en scène la confrontation, on l'a dit, résolu au mieux par la parole dans Divinity Original Sin, ou le passage en force dans Tenchi Okudahu 2. Le pont est parfois frontière, entre deux quartiers dans GTA 4, entre deux îles dans Wind Waker, où se décide le départ. Il est aussi point de passage avec d'autres mondes,
horrifique au début de Resident Evil 4, par exemple. Rarement très solides, les ponts de jeux vidéo semblent toujours vouloir s'effondrer sous nos pieds. Qu'ils soient de bois dans Uncharted, ou de pierre dans Three Wonders, nous interdisant tout retour en arrière. Et encore quand on ne les fait pas sauter nous-mêmes, pour assurer sa fuite dans The Witcher 3, en résistance à l'occupant dans The Saboteur, ou par simple plaisir, dans Just Cause 3. Heureusement, il nous arrive aussi de les construire dans City Skylines, dans Polybridge, de les révéler avec de l'encre dans The Unfinished Swan, ou du papier dans Paper Mario, souvent des ponts de fortune dans Snakeburn, ou Tomb Raider par exemple. Ils se construisent même tout seuls dans Mario Galaxy. Bref, si on ajoute le pont fractal de Manifold Garden, les ponts glitchés de Memories of Broken Dimension, et les ponts eucheriens dans Fragments of Euclid, les ponts dans le sable de Journey, et le pont grand comme une ville dans Bravely Default, sans oublier les ponts de cartes dans les airs d'Alice Madness Returns, ni les ponts rubans dans les airs toujours de Bound, alors on peut dire que le pont est, dans les jeux vidéo, décidément partout, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour un top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin aux ponts dans les jeux vidéo. Notre numéro 5. De tous les ponts rencontrés dans la série Zelda, le plus mémorable n'est peut-être pas le pont Gerudo qui reste encore à construire, ni le pont du duel où l'on s'affronte sur monture et devant soleil couchant. Peut-être pas non plus le très intimidant pont Ilia, serein sur son lac, mais le bien plus modeste pont Kokiri, où se joue à la fois la perte amoureuse et la sortie de l'enfance. Notre numéro 4, Rayman Legend, ou plus précisément Castle Rock, niveau musical détonnant. Sans doute plutôt une muraille qu'un pont, mais qui se traverse comme si elle en était un. D'ailleurs des ponts, on en voit tout le long, qui s'effondrent bien sûr, au rythme furieux de la traversée. Pour notre numéro 3, on se devait d'évoquer les cruels défis lancés par les ponts de jeux vidéo. Dans Sonic 2, les passerelles capricieuses de Chemical Plant Zone. Dans Adventure of Link aussi, des ponts terrifiants par dizaines. Mais surtout, et c'est pour nous une évidence, Road to Nowhere dans Crash Bandicoot. Ascenseur émotionnel de tous les instants, entre autres à cause de la rigidité de son personnage. Ce niveau est pour nous un des ponts les plus douloureusement marquants du jeu vidéo. Notre numéro 2, Fumito Ueda, évidemment, dont l'obsession pour les ponts traverse toute sa production. Des ponts partout dans une forteresse de pierre, piège monumental et trompeur pour Ico et Yorda. Ou long jusqu'au sublime, en passerelle tendue vers le fantastique dans Shadow of the Colossus. Ici toujours très risqué. Et surtout, des ponts à chaque instant dans The Last Guardian. Souvent dans l'urgence et l'effondrement, ou dans la poésie de leur fragilité. Mais c'est quand ils sont fiables qu'ils nous plaisent le plus, lorsque déplié et un peu par surprise, le pont se fait pont d'envol.
Finalement, les ponts qu'on préfère, ce sont peut-être ceux qu'on construit nous-mêmes, dans Minecraft. Qu'ils soient longuement planifiés ou improvisés dans l'instant, seuls ou en coopération, dans toutes les matières, dans tous les espaces, pour traverser ou rejoindre tout ce qu'on voudra.